C'est ce lundi 6 novembre que la première quotidienne de la Star Academy a été diffusée sur TF1, offrant aux élèves l'occasion de procéder au débriefing de leurs performances lors du prime de samedi. Les émotions étaient vives. Et Clara, après son duo avec Djibril sur la chanson « Ain't No Mountain High Enough » de Marvin Gaye et Tammy Terrell, a exprimé sa déception quant à son interprétation. « C'est hyper frustrant, au refrain, ma voix a complètement lâché », a-t-elle débuté. Après que Djibril a partagé son opinion peu favorable sur sa propre performance, Clara n'a pu retenir ses larmes. « Quand je vois les autres prestations, bien sûr, on a tous des petits trucs à redire, mais je suis hyper déçue de ce que j'ai fait parce que ça ne me ressemble pas. Je suis déçue de moi et je déteste ça parce que je suis très dure avec moi-même, vraiment. Je sais que je vais travailler, j'ai confiance en moi, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que… » a-t-elle exprimé en larmes. Djibril n'a pas été davantage impressionné par sa propre prestation sur cette chanson. « Il y avait un manque d'authenticité parce que forcément je suis sur une chanson où je ne suis pas non plus extrêmement à l'aise et puis je suis à l'aise avec rien du tout autour. » Le prime, l'arrivée au château, la vie en communauté, c'est un surplus de beaucoup de pression. C'est beaucoup à digérer, beaucoup à encaisser, a-t-il partagé en face caméra. Clara n'est pas la seule académicienne à avoir versé des larmes après avoir visionné son interprétation, car la benjamine de la compétition, la jeune Lenny, a elle aussi craqué. « C'est super dur pour moi de me voir. Je suis désolée,